Angelina Jolie, sa réponse assassine à une question intime sur sa bataille judiciaire contre Brad Pitt. Après une longue absence, Angelina Jolie est de retour au cinéma. En effet, l'actrice américano-cambodgienne a tourné dans le film Maria de Pablo Larraín. Un long métrage qui a été présenté le jeudi 29 août à la Mostra de Venise. À l'occasion de la sortie de ce film, la mère de famille a accepté d'accorder une interview au Hollywood Reporter. Au cours du mois d'août, Angelina Jolie a cependant posé quelques conditions concernant sa vie privée. La journaliste Rebecca Keegan a ainsi expliqué, elle refuse de parler de Brad Pitt. Angelina Jolie refuse d'évoquer l'avancée de son divorce. Au cours de son interview, Angelina Jolie s'est livrée sur de nombreux sujets et a notamment parlé de ses enfants. Pourtant, un sujet reste très sensible pour l'interprète de Maléfique, son divorce avec Brad Pitt. Puis-je vous demander quel est l'état d'avancement de votre divorce ? A tenté la journaliste. Une question rapidement expédiée par l'intéressé, qui lui a simplement répondu, non. Dans le passé, la mère de 6 enfants avait déjà évoqué l'importance de garder sa vie privée. J'essaie de m'habituer à ce que je dois partager, avait-elle expliqué en référence à l'évolution de sa relation avec le public au fil des ans. Si l'évocation de son divorce avec Brad Pitt est toujours sensible, Angelina Jolie s'est montrée plus ouverte pour parler d'autres sujets. Interrogée sur ses enfants et son futur à Los Angeles, elle a expliqué. Je suis ici parce que je dois y rester après un divorce, mais dès qu'ils auront 18 ans, je pourrai partir. Pour rappel, 4 des 6 enfants de l'actrice sont déjà majeurs. Seuls les jumeaux Knox et Vivienne sont encore mineurs et sont âgés de 16 ans. D'ici à quelques années, la femme de 49 ans s'imagine donc quitter Los Angeles. Elle souhaite passer beaucoup de temps au Cambodge. Elle aimerait également rendre visite aux membres de sa famille où qu'ils soient dans le monde. De beaux projets pour celle qui a par ailleurs d'autres objectifs professionnels.